Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes, j'ai oublié de vous dire la date dans la première vidéo, donc c'était celle de l'aquarelle. Nous sommes le 23 décembre 2023 et je vous ai fait la vidéo précédemment sur la boîte de crayons aquarelle de mon amie Marilyn qu'elle m'a offert. Voilà. Donc je l'ai fait avec ce tampon là de chez Chou and Flowers. Voilà. Là après je le laisse comme ça parce qu'il faut que je le nettoie. Et l'emballage, enfin le papier, c'est ceci. Alors je sais pas d'où ils viennent. Je peux pas vous dire. Je ne sais pas vous dire plutôt. Je sais pas. Alors ça se peut que ça provienne de chez Action. Je sais pas du tout. Moi là rien, il n'y a rien qui me dit que c'est de chez Action, mais c'est possible que c'est de chez Action. Je ne sais pas du tout. Mais pourquoi pas, hein, moi j'ai pas vraiment voilà, de vraiment de préjugés sur ça. J'ai déjà testé des crayons de couleur pour le coloriage de chez eux et franchement j'en suis satisfaite. Et si vraiment ce sont des crayons aquarellables de chez Action, franchement ils sont topissimes. Voilà, rien à redire. Là aujourd'hui je vais vous montrer ceci. Alors je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être des stickers. Elle m'a offert ça dans son petit colis que j'ai été chercher lundi, le 18 décembre, du coup, le jour de mon anniversaire, j'ai été le récupérer. Donc, voilà, donc je pense que ça doit être des stickers. Voilà, c'est sur le thème chat. Et moi, vous connaissez mon amour pour les chats. Depuis que j'ai mon Balou, encore plus. Je pense que c'est des stickers. Elle a dû trouver ça sur Temu, je pense. Ouais, c'est des stickers. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez celui qui ressemble à mon Balou. Vous avez celui-ci. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont de façon aquarellable. De façon aquarellée, quoi. J'aime beaucoup. Mais celui-ci. Vous avez celui-ci. Celui-ci, il est trop kawaii. Il est trop cute. Il est trop beau. On dirait un petit renard. Vous avez celui-ci qui est magnifique. Vous avez celui-ci. Celui-ci ressemble un petit peu à mon Balou. Trop beau. Vous avez celui-ci qui fait le coquinou. Vous avez celui-ci. Celui-ci avec son pyjama. Vous avez celui-ci qui fait tout autre. Celui-ci qui monte son petit bidouillou. Et qui dodo. Qui dort sur le dos, du coup. Vous avez celui-ci. Celui-ci qu'on dirait qu'il est tout triste, miskin. Vous avez celui-ci. Celui-ci, c'est mon Balou, ça. Tête de coquinou, de petit chat lapin. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Mais celui-ci ressemble un peu à celui-là, non? On dirait. Hein, vous avez celui-ci. Qui ressemble également à voilà, celui-là. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Il a les mêmes yeux que mon chat. Les yeux bleus. Vous avez celui-ci. Vous
Il y avait celui-là. 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 Vous avez les frangins ou frangines, frangin, frangine, ou la maman avec ses bébés, la maman, le papa avec leur bébé. Vous avez celui-ci qui fait toto. Vous avez celui-ci. Celui-ci. Vous avez celui-ci. 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 En fait, celui-ci ressemble vraiment à mon balou. Sauf qu'il n'a pas la même couleur d'yeux, mais sinon, c'est le même. Vous avez celui-ci. Tout beau. Vous avez celui-ci. Celui-là, ça me fait penser aux chats dessinés par des Asiatiques. Ils sont trop beaux. Celui-là aussi. Celui-là. Celui-là. Et celui-là avec son écharpe. Celui-là. Celui-là. Et celui-là aussi. Vous avez celui-là. Quand il dit merci avec ses patounes là. Celui-là. Celui-là. Alors celui-là, il est trop trop beau. Et le dernier, celui-ci. On dirait qu'il danse avec ses patounes. Voilà. Mais celui-ci me fait trop penser à mon chat. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. À vous abonner si cela n'a pas déjà été fait. À activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos dès qu'elles sortent. Et à partager ma chaîne YouTube. Voilà, bye bye!